Voilà, Crash Bandicoot de Cortex contre-attaque en français. Salut à tous, c'est Tonton NJ. Je vais mettre le jeu en français et je vais commencer une nouvelle partie tout de suite pour vous montrer à quoi ressemble ce jeu. Bon, la séquence d'intro, je vais la passer. Excusez-moi pour ceux qui veulent la voir. Hein. Si seulement je pouvais passer la séquence d'intro. Voilà, merci. C'était le bouton Start. Alors là, je me retrouve directement dans cette Warp Room, donc cette salle de téléportation. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5 niveaux débloqués dès le début. À chaque niveau, il va falloir récupérer un cristal. Une fois qu'on a récupéré les 5 cristals, dans chacun des niveaux, il y a un cristal. Quand on a récupéré les cristals dans chaque niveau, on peut se mettre ici et monter. On arrive dans une seconde Warp Room avec pareil, 5 niveaux avec 5 cristals à débloquer. Alors, au niveau des commandes, avec X, on peut sauter. On peut faire qu'un saut, hein. Le double saut n'existe pas dans celui-là. On peut faire un saut et avec rond, on s'écrase. Carré pour attaquer. Et il y a bien sûr des différentes attaques. Si on glisse et on attaque, ça fait un petit tacle glissé. Ah oui, rond, si on avance, ça fait un tacle glissé. Si on... Donc 0 sur 25 et 2 gemmes, 0 sur 42. Donc 0%, c'est nul, évidemment. Bon, je vais commencer avec le niveau 1. Et... pour vous montrer un peu le jeu. En sachant que chaque niveau ce sera la même chose, hein. On parcourt le niveau du début jusqu'à la fin et on récupère le cristal entre temps, c'est tout. Voilà, on casse des caisses. Dans chaque caisse vous aurez des pommes ou des vies. Un ennemi on les tue comme ça. Ces caisses là sont particulières, on peut sauter 10 fois dessus. Donc voilà, ça nous donne 10 pommes, on va arriver à 24. Voilà. Ça nous ralentit quand on marche dedans, mais c'est pas présent dans tous les niveaux, hein. C'est spécifique à celui-là. Ou à ce type de niveau dans la jungle, en tout cas. Voilà, ces caisses-là, on peut les casser comme ça, mais on peut aussi casser les caisses en leur sautant dessus, hein. Les caisses, ça explose de deux façons différentes. Même, je pense qu'on peut les ennemis, on peut les tuer comme on veut. Oh, bah voilà, j'ai même envoyé l'ennemi sur la caisse. Bah, là, je vais pas vous faire du spoil, mais il y a un secret pas loin, c'est tout ce que je peux dire. Ces ennemis-là, regardez, on peut pas les tuer. Ni comme ça, parce qu'ils ont des pics sur les côtés. On est obligé de les tuer, voilà. En leur sautant dessus, et là pour les tuer ensuite, une petite roulade, une fois qu'ils sont sur le dos. Voilà, c'est ça, le jeu, on avance. Alors, ce symbole-là sur le sol, ça signifie qu'il y a un niveau bonus. Je vais vous montrer, pour rentrer dedans, voilà. On rentre dans le niveau bonus, on le sait parce que c'est écrit en haut. Et regardez mon nombre de pommes, j'en ai 35, j'ai 10 caisses et 5 vies. Je vais prendre les pommes ici. Les caisses ici. Regardez en haut. Le même nombre, 35 pommes, 10 caisses et 5 vies. Pourquoi? Parce que ça s'additionne en bas, même les vies que je gagne. Et pour que ça s'accumule avec mon total en haut, hein, ce qui est en bas c'est un sous-total, c'est pas définitif. Il faut que je termine le bonus et voilà, ça s'additionne. Si je meurs dans le niveau bonus, ça disparaît. Mais je ne perds pas de vie, je peux recommencer un niveau bonus à l'infini. C'est comme des niveaux spéciaux en fait, qui sont indépendants. Bon, je vais avancer. Alors dans chaque niveau, en sachant qu'il y a des... Il y a des gemmes récupérées, hein, les gemmes que vous voyez à droite. Pour les avoir, il faut soit... Dans chaque niveau, c'est sûr qu'il faut récupérer toutes les caisses. Si on récupère toutes les caisses du niveau, là j'en ai 17 par exemple, eh bien on obtiendra une gemme. Et ça dans chaque niveau, si on récupère toutes les caisses, on a une gemme. Là j'ai deux masques. Ah oui, les masques, j'ai oublié de vous expliquer, mais c'est comme dans Crash Bandicoot 3, hein, pour ceux qui ont vu ma vidéo. Là j'en ai deux, c'est-à-dire que j'ai deux protections. Allez, je vais me faire toucher par un ennemi. Ah non, je vais pas me faire toucher, parce que je vais essayer de débloquer le... L'invincibilité, je sais pas si j'ai un troisième masque. Mais si je me fais toucher, je perds un masque. Je perds pas de vie, je perds un masque. Voilà, c'est comme une seconde chance. Bon, là, il y avait une vie cachée en haut, hein. Bon, ces trous là avec les ennemis, on peut les passer. Je vais essayer, j'arrive pas à tout le... Voilà.
en passant sur les côtés. Ça sert à rien vu que le jeu est très facile et que ça c'est encore très facile, mais ça permet de se dire qu'on a niqué le jeu. Voilà, c'est juste ça, qu'on était plus malin que le jeu. Donc là j'ai deux masques, je vous disais, si je récupère un troisième masque, je vais devenir invincible pendant, je sais pas, 10 secondes. Ensuite, l'un des masques va disparaître et il m'en restera plus que deux. Alors voilà, là j'arrive à la fin du niveau. La fin du niveau qu'on repère avec ces espèces de sas là. Et là on voit mon nombre total de caisses, j'en ai 34 et m'en aurait fallu 62 pour avoir une gemme grise ici qui apparaisse. Donc il restait 28 caisses dans le niveau que je n'ai pas trouvé, que je n'ai pas cassé. Et ça, je ne dévoilerai pas non plus tous les secrets du jeu. A savoir qu'il y a un autre secret dans ce niveau, c'est que regardez en haut. Il y a le cristal, une gemme grise et une gemme bleue. Pour débloquer la gemme bleue, il faut faire quelque chose de secret que je ne dévoilerai pas. Voilà, sinon qu'est-ce que je vais faire? Je vais charger mon autre partie pour vous montrer un boss. Alors je vous le dis tout de suite, hein, dans mon deuxième partie, j'ai triché, vilain tricheur, avec 48 cristals sur 25, hein, c'est évidemment de la triche. J'ai fait un code action replay. J'ai honte, mais en même temps je me suis pas servi vraiment pour tricher. Je m'en servi juste pour pouvoir débloquer tous les niveaux. Parce que récupérer les cristals, c'est pas ce qu'il y a de plus dur dans le jeu, hein. Cristal, on traverse le niveau de A à B sans jamais rien faire que qu'esquiver les ennemis, esquiver les caisses et récupérer le cristal, et on y arrive, quoi. C'est pas la plus grosse difficulté. Est-ce que je vais me battre contre un boss si je m'en... Non, je pense pas, hein. Non, ben je vais me battre contre Cortex, donc le boss de fin du jeu. C'est pas du spoil, mais ça peut y ressembler. Donc si vous voulez pas voir le boss de fin du jeu, ne regardez pas ce que je fais. Je vais me retrouver sur un jetpack. Alors, jetpack, c'est assez spécial. Pour avancer, c'est X. Pour reculer, c'est rond. Et on peut aller à droite, à gauche. Alors, pour le battre, il faut que je le rattrape. C'est comme une espèce de course. Et que je lui fasse mon attaque tornade. Alors, évidemment. Dessus. A savoir qu'il a 3 vies. Si je me prends une mine ou une mine, je pense que ça me tue directement. Hein. Un météorite, en tout cas, ça me ralentit. J'ai pas envie d'essayer les mines. Mais voilà, c'est ça. En gros, je fais la course avec le boss. Et une fois que je l'ai rattrapé, un petit coup d'attaque. Oh non! Un petit coup d'attaque tornade. Et on n'en parle plus. Vous voyez en haut, ce sont ses vies. Hein. Il en avait 3. J'en ai enlevé une. Il en reste 2. Deux espèces de carreaux. Là. Et quand il en a plus, eh ben, il est mort. Nous l'avons oxy. Si vous l'avez remarqué, c'est le docteur Néocortex, l'enfoiré qui nous a demandé de lui récupérer ses 25 cristaux. Et il prend la fuite, hein, un ennemi d'une lâcheté incroyable. Bon. Par contre, très charismatique. Hein. Ce jeu a... Ah ben là, je suis mort. Ce jeu a une âme qui lui est propre. Enfin, dans la... même de la série des Crash Bandicoot. Hein. Là, voilà, j'ai perdu. Il fallait que je rattrape avant ce portail. Là. Regardez, les graphismes sont exceptionnels. Pour l'époque, je me rappelle que moi je me fie toujours à... Est-ce que les graphismes sont beaux pour l'époque? Je me fie pas aujourd'hui, évidemment. Hein. Ça sert à rien, vu tout ce qui a été développé depuis. Toutes les avancées qu'on a fait. Mais je me fie vraiment sur à l'époque. Et à l'époque, j'avais trouvé ça magnifique. Hein. Ce jeu est sorti, je pense, en 97, peut-être. Bon, le 3 est sorti en 98, ou ouais, 97. J'avais donc même pas 10 ans. Hein. J'avais 9 ans. Je peux vous dire que ce jeu-là, il m'a marqué. Allez, mais viens là. Même au niveau de la bande-son, bah, elle est pas extraordinaire. Mais pareil, ça colle exactement à l'univers et au type de jeu que je suis en train de jouer. Ça colle parfaitement avec les graphismes, par exemple. Et bon, c'est Naughty Dog, donc c'est pas des amateurs. Hein. Le jeu est bon. Le jeu est vraiment bon, je vous le conseille, c'est un coup de cœur pour moi. Ça a toujours été... Oh, moi j'aurais enlevé une vie, l'honneur est sauf. Ça a toujours été et ça sera toujours un coup de cœur pour moi ce jeu, et je vous le recommande évidemment. Peut-être même plus que le 3, parce que le 3... le 3 est assez blasé, mais c'est un peu la même chose, quoi. C'est vraiment du copier-coller, mais ils ont rajouté le relique avec le temps, bon. Ok, mais je préfère vraiment le 2 au 3. Je sais pas pourquoi, c'est peut-être un avis personnel, hein. C'est tout à fait personnel, c'est peut-être... Il y a peut-être que moi qui préfère le 2 au 3, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que je préfère... celui-ci au 3. Bah, mais écoutez, je vais vous laisser. Hein. Je vais pas réussir à battre le boss, je pense. Ah, mais regardez le nombre de cristals à droite. 48 sur 25. À savoir que je me sers jamais de l'action replay. Hein. Là, je m'en suis servi, je vous dis, juste pour débloquer tous les niveaux. Ceux qui ont joué au jeu sauront que avoir les cristaux dans chaque niveau, c'est vraiment pas le plus dur. Hein. Franchement, c'est plus chiant qu'autre chose. Hein. Surtout si on l'oublie dans le niveau, mais ça arrive rarement. Mais quand on est dans les niveaux... sur le tigre là que j'avais montré sur le 3, mais là c'est sur un nounours, c'est pareil. Où ça avance sans cesse, si on le rate, on est dans la merde, hein. On est obligé de mourir. Pour récupérer ce cristal là.
qui est vraiment donné. Bon, bah, 2 vies sur 3. Mais écoutez, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Et voilà. Allez, salut.